Personnellement, je suis d'accord avec Sam Houston. Je dis qu'on doit se battre pour notre droit. Je ne suis pas de cet avis. Nous sommes un État libre protégé par les Mexicains. Tout marche bien depuis des années. Je ne vois donc pas de raison de se battre. Il y a une chose qui vous échappe, Jim. Bien que les Espagnols nous aient donné le droit de colonisation en 1821, quand Santa Anna s'est emparée de la présidence, nous avons cessé d'être un État libre. Maintenant, il faut combattre ou admettre le point de vue d'un gouvernement dirigé par les militaires et... Général Houston. Messieurs, nous allons faire le point. J'ai reçu pour mission de recruter une armée pour la défense du Texas en tant que république indépendante. Beaucoup d'entre vous sont déjà au courant de toutes les difficultés qu'entraîne une telle opération. Ceux qui les ignorent les connaîtront sous peu. Si nous voulons sortir victorieux de la lutte que nous allons livrer, il faut que nous ayons tous les hommes valides du Texas sous les armes. Le pays n'étant pas attaqué, il me paraît extrêmement difficile de convaincre le peuple qu'il existe un danger. Les hommes sont peu disposés à quitter leur famille et leur terre. Je vous ai réunis, messieurs, pour en discuter ensemble. J'ai reçu un message m'avisant que le général Santa Anna a occupé San Antonio. Le colonel Travis, avec moins de 200 hommes, s'est retiré en franchissant la rivière dans le fort Alamo pour préparer sa défense. Pour le moment, ce sont les seules forces militaires entre l'armée mexicaine et la rivière Sabine. Il faut des renforts à ces hommes. Comment vous sentez-vous, Jim? Je me sentirais mieux si j'étais de l'autre côté du rempart. D'ici, je tirerai jamais un coup de feu. J'en suis pas si sûr que vous. Ils sont encore nombreux dans les parages. Certains d'entre eux espèrent même nous rendre visite. On les amène. On est tout prêt à les recevoir. Je ne pense pas qu'on doive aller les chercher, Sam. Je crois surtout qu'ils entendent venir d'eux-mêmes. Pas de nouvelles d'Houston? Pas encore. Pensez-vous que le messager soit passé? Je l'espère. Houston est un brave type. Il enverra sûrement des hommes pour nous aider. Il ferait bien de les envoyer vite. Inutile de s'inquiéter, Bill. On pourrait toujours se replier si les choses s'aggravaient. Allons, allons. Je suis sûr que vous ne partiriez pas, Jim. Non, je ne crois pas. D'ailleurs, je ne courrai pas assez vite. Je ne cours pas très vite non plus, Jim. Colonel Travis! Colonel Travis! Oui? Il y a un Mexicain qui vient d'arriver avec un drapeau blanc. Il déclare vouloir vous parler. General Santana exige que se rindan inmediatamente. El general espera su contestación. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que si nous ne sortions pas du fort immédiatement avec les bras en l'air, nous n'en sortirions plus jamais. Qu'allez-vous lui répondre, mon colonel? Est-ce que ce canon est chargé? Oui, mon colonel. Thank you.
ça me rend fou. Pendant des jours, ils pilonnent la ville et ensuite on reste des heures entières sans entendre une mouche voler. Tu ne penses pas qu'il manque de munitions? Pourquoi ne pas risquer ta tête dehors pour t'en assurer? Je ne suis pas curieux à ce point-là. Je n'ai pas fermé l'œil depuis 4 jours. Combien de temps peut-on tenir sans dormir? Si tu en as assez d'être ici, tu n'as qu'à ouvrir la porte et t'en aller. Je m'aperçois que la plus grande erreur que j'ai jamais commise, c'est d'être venu. Pendant le trajet, t'as cependant eu tout le temps pour réfléchir. Si j'avais eu à parcourir 5 kilomètres de plus, j'aurais changé d'avis. De toute façon, je ne comprends pas. Qu'est-ce que vous, les gars de Tennessee, êtes venus faire ici? Il n'y a pas de guerre à Tennessee. Vous auriez pu trouver à vous battre plus près de chez vous. Voilà, à un moment, on y avait bien songé, mais David Crockett nous a dit qu'il fallait des renforts. Alors on est venu ici pour se battre. Je me bats. Bien que je ne sache pas pourquoi. Pourquoi vous battez-vous? C'est un ranch près de Oxbow. Une femme et des gosses. Il y a 4 ou 5 d'entre nous qui ont aussi un ranch dans la région. C'est pas vrai, Strahout? Oui. Tu es satisfait de la réponse? Il y a une famille en Tennessee. Je préférerais que la mienne soit là-bas plutôt qu'à Oxbow. Oui, où c'est, Oxbow? Un peu au nord. Il n'y a pas de Mexicains dans cette région? Non, pas à ma connaissance. Alors je vois pas pourquoi vous vous tourmentez. C'est pas pour eux que je me fais du souci. On dit que Santa Ana donnait des terres à ceux du Texas pour qu'ils combattent à ses côtés. Voyons, vous croyez tout de même pas qu'il y en a qui le suivront, non? Si. J'en connais déjà un, qui a beaucoup de partisans, un nommé Jess Wade. Et voilà que ça recommence. C'est un de nos hommes! Ouvrez les ponts! Je suis le colonel Crockett. Qu'est-ce qu'il y a? J'apporte un message du général Houston. Où est le commandant en chef? Mon lieutenant, que se passe-t-il dans le nord? La même chose que ce qui se passe ici. Ils ont déclenché l'attaque sur Oxbow. T'as entendu ce qu'il a dit, n'est-ce pas? Oui, j'ai entendu. Venez, suivez-moi. Oh! Hé! Venez avec moi, je devrais vous parler. Bill! Lieutenant Lamar, mon colonel. J'apporte un message du général Houston. Nous attendions votre venue. Dans combien de temps les troupes sont-elles ici? Il n'y a pas de troupes. Pour le moment, le général recrute des forces pour la défense du Texas. Il faudra peut-être des jours avant... Pourquoi Sam Pertil Santin nous envoyer un message de ce genre? Le général demande que vous teniez dans Alamo aussi longtemps que possible. Il y a toute une armée devant nous. Il croit que nous pourrons tenir pendant combien de temps? Je ne sais pas, mon colonel. Mais il pense que plus longtemps le fort tiendra, plus il aura de chance d'être prêt pour faire face à Santa Anna et ses armées. Crockett, faites l'appel. Il y en a 5 d'entre nous qui ont leur famille dans la région de Oxbow. Et personne pour les protéger. Si aucun de nous ne s'en occupe, comptons pas sur les autres. Un homme de plus ou de moins ici ne fera aucune différence. Mais un homme là-bas pourrait s'occuper des femmes et des enfants et les emmener dans un endroit où ils seraient en sûreté. Comment pourrait-il y aller? Le messager de Houston est bienvenu ici. Mais lequel va partir? Eh bien, si vous êtes d'accord avec moi, les gars, je pense qu'on pourrait tirer au sort. J'ai une poignée de haricots parmi lesquels il y en a un noir. Celui qui aura le haricot noir partira. Est-ce qu'on peut tirer, Johnny? Pourquoi pas. J'ai reçu un message du général Houston. Daté du 2 mars 1836. Ce jour, le Texas a été proclamé république indépendante. Très bien, mon colonel. Est-ce que vous pourriez nous dire si on va recevoir des renforts d'ici peu, oui ou non? On ne dort pas depuis des semaines. Je crains bien que non. Le général Houston ne dispose d'aucune armée. Il en constitue une aussi vite qu'il le peut. Donc, si le général Santa Anna peut être contenu ici quelques jours de plus, comprenez que c'est une question de vie ou de mort pour le Texas. Nous savons tous que le général Santa Anna ne reculera devant rien. Je resterai ici, mais celui d'entre vous qui veut partir le peut. Que ceux qui sont volontaires pour rester avec moi s'approchent.
en a-t-il parmi vous qui veulent partir? Monsieur Stroud, je suppose que vous avez vos raisons pour nous quitter. Je veillerai à ce que vous ayez un cheval dans un moment. Lieutenant. Messieurs, voici le message que j'adresse au général Houston. Je suis assiégé par au moins un millier de Mexicains et l'armée du général Santa Anna. J'ai soutenu un incessant bombardement de l'artillerie. L'ennemi a demandé notre reddition sans condition. Dans le cas contraire, la garnison sera passée par les armes si le fort vient à tomber. L'ennemi a reçu journellement des renforts et sans aucun doute leur effectif sera de 3 ou 4 000 hommes dans quelques jours. J'ai répondu aux sommations par un tir d'artillerie et notre drapeau flotte encore fièrement sur les remparts. Je suis décidé à tenir moi-même aussi longtemps que possible et à mourir en soldat, qui n'a jamais perdu le sens de l'honneur et oublié ce qu'il doit à sa patrie. Jamais je ne me rendrai ni ne battrai en retraite. La victoire ou la mort. Lieutenant, assurez-vous que le général reçoive notre message. Mon colonel, si vous le permettez, je voudrais rester ici à la place de cet homme. Puisqu'il part, ne pourrait-il pas porter votre message? Non, vous m'avez remis le message de Houston, vous devez lui porter le nôtre. Bien, mon colonel. Un cheval pour M. Stroud. Tous à vos postes. Maps. Je n'aurais jamais pensé qu'un jour Johnny Stroud aurait été un lâche. Qui dit qu'il l'est? Il fiche le camp, n'est-ce pas? Mais tu réfléchis que parfois il faut plus de cran pour partir que pour rester. Le pire qu'il puisse t'arriver, c'est que quelqu'un dise que tu es mort en héros, tandis que lui sera considéré comme un lâche tout le reste de sa vie. Alors pourquoi s'en va-t-il? On est tiré au sort. Johnny n'a jamais eu de chance. Hey! Je ne savais pas que c'était vous. Je les croyais revenus. Où sont ma femme et mon fils? Réponds. Je les ai enterrés là-bas, Seigneur, à côté de mon père. Tournez au fort Alamo. De nombreux Mexicains paieront pour ça. Seigneur, ce ne sont pas des Mexicains qui ont fait ça.
Ce sont des Américains. Toi et ton père avez servi ma famille pendant très longtemps, Carlos. Ma femme, mon fils et moi, nous vous aimions beaucoup. Ce n'est pas la peine d'essayer de mentir pour disculper tes compatriotes. Je ne vous mens pas. Ils ont l'uniforme mexicain, mais ce ne sont pas des Mexicains. Je les ai vus dans les montagnes. Quelquefois, ils étaient si près de moi que j'aurais pu les toucher. Je ne mens pas, Seigneur. Ouais, des sabandes. Vous savez qui c'est? Je crois le savoir. Eh bien, Carlos, il faut qu'on trouve quelqu'un qui s'occupera de toi. Qu'est-ce qui vous amène à Franklin? Bonjour, Fred. J'ai une mauvaise nouvelle. Voulez-vous rassembler les habitants? Papa! Papa! Vous permettez, mon général. C'est ma femme. Allez-y, mon vieux. Chérie! Comment va l'homme de la maison? Avez-vous bien fait tout ce que maman a dit? Messieurs, le fort Alamo est tombé. Qu'est devenu la garnison, Sam? Trewis, Bowie... Ils sont tous morts. Je leur avais demandé de tenir aussi longtemps qu'ils le pourraient. Ils ont tenu. Ils nous ont donné le temps de recruter plus d'hommes. Mais maintenant, le général Santana et son armée sont libres dans leur mouvement. Ils foncent à travers le Texas. Franklin doit être leur prochain objectif. Mes troupes se trouvent à quelques kilomètres de la ville. Nous allons essayer de le devancer à Gonzales. En attendant, il n'y a pas de temps à perdre. Je veux que vous évacuiez les femmes, les enfants et les hommes au-dessus de 60 ans. Je vous laisserai un détachement pour escorter le convoi. C'est une journée noire pour le Texas. Mais je puis vous assurer d'une seule chose. Personne n'oubliera jamais Alamo. Que tout le monde soit en alerte. Le convoi au grand complet doit partir dès que possible. Bonne chance à tous. Bonne chance, mon général. Je n'arrive pas à le croire. Tous ont été tués jusqu'au dernier. Non, pas tous. Travis a donné à chacun la chance de partir. L'un d'eux est parti. Un homme du nom de John Stroud. Eh, viens, mon petit. Excusez-moi, mademoiselle, qui est l'homme avec lequel vous parliez? Cage. Il dirige le journal. Il est là-bas, celui qui n'a qu'un bras. Merci, mademoiselle. Allez, viens, Carlos. Monsieur Cage? Oui? Y a-t-il une école dans les environs où je puisse laisser un enfant? J'ai bien peur que vous n'en trouviez pas. Dans très peu de temps, il ne restera plus rien de la ville de Franklin. On nous a prévenu que Santa Anna se dirigeait sur nous et nous évacuons. Où allez-vous? À Nacogdoches. Ah. Y a-t-il pas quelqu'un dans le convoi que je paierais qui pourrait s'occuper du petit? Lui? Oui, qu'est-ce qui ne vous plaît pas? Voilà, c'est un Mexicain. Vous ignorez peut-être que nous sommes en guerre avec eux. J'ignore qu'on soit en guerre avec les gosses. Pourquoi ne pas vous en occuper vous-même?
Ce n'est pas gentil, monsieur Gage. Ce monsieur très certainement désire rejoindre l'armée. Je vais m'occuper de lui, cela ne me dérange pas. Et vous ne paierez rien. Quel est ton nom? Carlos. Pourquoi sonne ces cloches? Pour les hommes du fort Alamo. Que se passe-t-il là, Alamo? Alamo est tombé. Et tous les hommes ont été tués. Stroud! Que faites-vous ici? Je pourrais vous poser la même question. J'ai reçu l'ordre de venir. Ces ordres sont parvenus vraiment au bon moment, n'est-ce pas, lieutenant? Êtes-vous le John Stroud qui a quitté Alamo? Lui-même. Hé, messieurs! Approchez! Approchez-vous! Voilà l'homme qui a quitté Alamo. Mon mari y était, le mien aussi. Et je peux être fière d'une chose, c'est qu'il n'a pas pris la fuite. Mais il avait une raison pour partir. Mais je croyais que vous vouliez rejoindre l'armée. Vous aviez peut-être raison. Mais laquelle? Je suis sûre que le général Santa Anna serait content de vous avoir. Monsieur Gage... Un des plus grands privilèges que j'apprécie, c'est de choisir ceux à qui j'adresse la parole. Rien ne vous oblige à tenir conversation avec moi. Répondez oui ou non. Connaissez-vous le nom des familles faisant partie de ce qu'on voit? Oui. Y a-t-il des maps, Kay, Billings et Oz? Non. Merci. Je ne connais absolument rien sur vous, mais il me semble que l'air qu'on respire ici est plutôt vicié. Écoute, Carlos, tu vas rester avec eux. Sois bien sage. Oui. Après tout, peut-être que le gosse a dit vrai, il pouvait avoir une raison pour partir. Monsieur, étant donné les sentiments que les gens d'ici éprouvent pour cet homme, je vous conseille de parler bas si vous voulez le défendre. Oh, attendez, écoutez-moi vous autres, je ne défends pas cet homme. Je prétends être aussi patriote que n'importe lequel d'entre vous tous. Seigneur, Seigneur Stroud! Emmenez-le et qu'on l'enferme. Oui, c'est ça. Seigneur Stroud, c'est cet homme, il était parmi eux, les hommes qui portaient un uniforme mexicain. Tu en es sûr? Croyez-vous que je puisse oublier l'homme qui a tué mon père? Stroud, vous feriez bien de quitter la ville. Pourquoi? Je me plais ici. Peu importe si vous vous y plaisez ou non, je vous ordonne de quitter la ville. Que tout le monde s'écarte! Je ne veux pas de lynchage à Franklin. Je vais essayer de vous sortir vivant d'ici, Stroud. Prenez votre cheval et quittez la ville. J'ai encore affaire ici. Vous quitterez la ville ou je vous jette en prison. C'est votre droit, shérif, mais je ne partirai pas. Vous n'êtes pas seulement un lâche, Stroud, vous êtes un fou. Allons-y. Et emmenons-le. C'est un mauvais quart d'heure. J'ai connu ça avant toi. Drôle de façon de faire la loi dans cette ville. Oui, plutôt. Mon nom est Dawes. Quel est le tien? Stroud. C'est toi qui as quitté Alamo. Hein? D'après ce qu'on dit, il valait mieux pas y rester. L'homme est fou de continuer à jouer s'il sort toujours les mauvaises cartes. J'en connais beaucoup qui n'avaient pas la même opinion que toi. Aussi, ils ont disparu de la circulation. Qu'est-ce que tu comptais faire en venant ici? Faire pendre. Non, je veux dire si tu n'étais pas pendu. Peut-être faire ce que beaucoup d'autres ont fait. Joindre les Mexicains. Que veux-tu dire par là? Je te croyais suffisamment d'intelligence pour l'avoir compris tout seul. Qui t'a dit que je suis idiot?
Il y a de braves types avec les Mexicains. Il y a des amis. Alors je crois que nous sommes faits pour nous entendre. J'en ai l'impression. Très bien. Imaginons un plan pour sortir d'ici. Il est déjà fait. Comment? Tu verras. Betty, Kate, dépêchez-vous, nous sommes prêts à partir. Monsieur Gage, j'ai pris tout l'argent du coffre. Où voulez-vous le mettre? Il y a de la place ici. Oui, mettez-le dans la voiture. Est-ce que vous êtes prêts? Nous sommes prêts. Très bien. Vérifiez vos équipements. Préparez-vous à partir. C'est vraiment dommage de nous faire évacuer si vite. Oui, je voudrais être encore ici quand ils sortiront Strout de prison. C'est une exécution que j'aimerais voir. C'est peut-être eux qui arrivent. T'attends quelqu'un? Des copains. Ah, c'est qu'un gosse. C'est peut-être un de mes amis. Je savais pas que tu en avais ici. Le convoi part maintenant, Signor. Les soldats partent avec nous. Tu devrais t'en aller. Je ne vous quitterai pas. Vous êtes mon père maintenant et je ne vous quitterai pas. Ils disent que dès que le convoi sera parti, ils vous sortiront de prison et vous pendront. Personne ne me pendra, mon petit. Carlos, le convoi va bientôt partir. Je ne partirai pas. Écoute. Tu me considères comme ton père, est-ce que ça? Oui, Seigneur. En principe, mon fils obéit à son père. N'est-il pas vrai? Oui, c'est vrai. Très bien, alors va avec cette demoiselle. Mais ils vous tueront! Non, non, ils n'oseront pas. Tu vas lui obéir, n'est-ce pas, Carlos? Faites bien attention. Soyez bonne pour le petit. Où as-tu trouvé ce gosse? C'est un orphelin. Un Mexicain? Qu'est-ce qu'il y a de mal? Rien. Mais ça confirme une chose que j'essaie de comprendre au sujet de tes rapports avec les Mexicains. Tu disais que tu voulais partir d'ici. Je ne vois aucun avantage à rester. Tu connais Jess Wade? Pourquoi cette question? Il aime pas celui du Texas. D'après ce que je sais, il nourrit le même sentiment à son égard. Sur ce point, vous avez quelque chose de commun. Il viendra visiter Franklin. Dès que le convoi et les soldats seront à quelques kilomètres d'ici. Qu'est-ce que tu veux que ça me fasse? Il peut toujours avoir besoin d'un homme. Peut-être que Wade ne pensera pas comme toi. Oh, tu n'attendras pas longtemps pour être fixé. Qu'en penses-tu? Je ne dois rien au Texas. Compte sur moi. Très bien. En route! Allons-y, en avant! Quelqu'un vous remplace. Vous conduisez cet attelage depuis des heures que nous roulons. Non, merci, Tom. Allez plutôt aider ceux qui en ont besoin. Fred et moi, nous en tirerons bien. Chérie. Oui? Les enfants, ça va? Pas très bien, ils sont insupportables. Ils n'arrêtent pas de bouger. Papa, est-ce qu'on va voir les Indiens? Je ne le souhaite pas. Je veux voir les Indiens. Allez, allez, soyez sages. Tenez-vous tranquille. Tout ira bien, Carlos. Tout n'ira pas bien. Ils vont sûrement le pendre. Je l'ai quitté quand il avait le plus besoin de moi. C'est lui qui l'a voulu. En restant, j'aurais pu leur dire pourquoi il a quitté Alamo. Pour aider sa famille et les familles des autres. La seule raison qu'il l'a amené à Franklin était de trouver une pension pour moi. Après, il devait retourner à Alamo. Il me l'avait dit. Tu crois en lui?
Il devait y retourner, je le jure. Vous me croyez, mademoiselle Betty, je ne suis pas un menteur. Vous le direz aux autres. Vous leur direz que ce n'est pas un lâche. J'ai bien peur qu'il soit déjà trop tard. Soldats qui reviennent. Es-tu sûr qu'ils aient mis Dawes en prison? Ils ne le conduisaient pas à l'église quand je les ai vus. La prochaine fois que je te confierai une mission, évite les cabarets. On avait pris que deux verres. Deux tonneaux, tu veux dire? Allons à la banque. Le reste de l'équipe s'occupera de Dawes. C'est pas ça qui arrêtera l'armée mexicaine. On tiendra bien quelque temps. Qu'est-ce que tu veux faire? Décamper, leur laisser la ville? Pourquoi pas, puisqu'il reste plus rien dedans. Ce qui me dégoûte, c'est que pendant qu'on se battra avec les Mexicains, le déserteur du fort Alamo sera confortablement installé en prison. Alors pourquoi qu'on le pend pas comme on devrait le faire? Attendez. Attendre quoi? Si on doit être écrasé, lui sera pendu. Au fond, qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qu'on attend? Allons-y. Arrêtez! Où se tire? Je crois qu'on va avoir des visiteurs. C'est peut-être Wade? Non, ce n'est pas Wade. Qu'est-ce alors? C'est un lynchage, pardi. Pour moi. Côté es-tu? Tiens. Il n'y a plus d'or à la banque. Les portes des coffres sont grandes ouvertes. Vous avez vidé toute la ville. Allez, vite, tous à cheval. Fais sauter les barricades! Merci. D'où arrives-tu? La ville. Pourquoi l'as-tu quitté? Tu t'ennuies avec ma gorge. Il voulait le pendre. Pourquoi? Il a quitté Alamo. C'est vrai? C'est vrai. Alamo. Dis-moi d'abord ce que tu faisais là-bas. Qu'est-ce que vous auriez fait si toute l'armée mexicaine s'était ruée? Ce n'est pas ce que je t'ai demandé. Je ne peux rien te répondre d'autre.
Je te dirai une chose, c'est que tu ne manques pas d'estomac, parce que l'heure qu'il est, tu pourras avoir des ennuis. Ce ne serait pas la première fois. Qu'est-ce qui te fait croire que je vais te garder? Tu n'aimes pas ceux du Texas, moi non plus. Alors réponds à ma première question. Qu'est-ce que tu faisais au fort Alamo? Je suis parti, je te l'ai dit. Pourquoi? J'ai appris que les Mexicains donneraient des terres à la fin de la guerre. Ils en donneront, en effet, mais je suis le seul à décider qui en recevra. Tous ceux qui travaillent avec moi seront bien traités. Quel est ton nom? Stroud, John Stroud. Kavish, donne-moi du café frais. Il a dû se livrer une drôle de bataille là-bas. Je parierais que le vieux Bowie en a crevé plus d'une centaine avant qu'ils aient pu l'avoir. C'est pas vrai, Stroud? Est-ce qu'il s'est pas battu au couteau? Et ce vieux Davy Crockett, c'était le chasseur le plus formidable que j'ai jamais vu. Oui, il paraît que quand l'animal regardait le vieux Davy Crockett, il savait comment ça finirait. Et au lieu d'attendre d'être tué, il se laissait glisser et tombait mort au pied de Davy. Tu dis que Davy Crockett a été chic. Attends une minute, Stroud. Tu nous as pas tout raconté. Tu nous as pas dit pourquoi tu as quitté ce vieux Davy Crockett. Peut-être qu'il voulait pas se trouver dans les parages pour se faire avoir. J'ai réfléchi. S'il les a lâchés, peut-être qu'il peut nous lâcher aussi. Laisse-le tranquille, Cobby. Il n'a pas encore répondu à ma question. Je te dis que c'est un traître. Je crois que ce monsieur pense que tu parles trop. Ça ira. Tu peux nous être utile dans l'attaque du convoi demain matin. Il n'y avait pas d'argent à la banque de Franklin. C'est donc qui se trouve dans les voitures. Ici, on ira droit sur High Peak. Si vous m'en croyez, je pense qu'on devrait passer à travers les collines. C'est plus sûr, si jamais on s'enfonce dans ces gorges, que quelqu'un vienne à nous sauter dessus, on s'en tirera pas. C'est un territoire indien, Tom. Je connais les Indiens. J'ai déjà perdu un bras avec eux. Et je voudrais garder celui qui me reste. Peut-être, Fred, mais c'est une chance à courir. On gagnera tout un jour en passant par les gorges. Alors je ne changerai pas d'avis. En route. Yup. Allez, allez. Avec toi et trouve un coin dans les rochers. Cobby, toi et Stroud, montez sur ce pic. Garde-le à vue. Je ferais mieux de lui prendre son arme. Si tu veux. T'en as pas besoin pour le moment. Qu'est-ce que tu penses de Stroud? Tu crois que ça va aller? J'espère. Je peux m'en servir. Je vais t'avouer une chose, je n'aimerais pas me battre avec lui le matin avant le petit déjeuner. Alors pourquoi l'avoir envoyé avec Cobby? Il est capable de lui tirer dans le dos et il ne l'aime pas. C'est ce que j'ai pensé. C'est la première mission de Stroud. S'il ne file pas droit, Cobby se chargera de lui.
Attache-les. Grimpe là-haut, aussi haut que tu pourras. Moi, je resterai là. Et n'essaie pas de te tirer, hein. Il n'y a qu'un chemin ici, et il mène droit à Webb. Arrête! Oh, pourquoi vous arrêtez-vous? Tom, conduire un convoi dans ces gorges, c'est comme mettre le pied dans un piège à loup. Et aucun homme ayant du bon sens ne le ferait. Fred, j'ai des éclaireurs et ils ne m'ont rien signalé. Je ne sais pas, j'ai une appréhension. Ouais, eh bien, malgré votre appréhension, nous allons continuer. Allez, faites avancer les chevaux. Allez. Hé, hey, geste, les voilà. À quelle distance? Oh, une bonne demi-heure. Ils suivent tous en caravane. À la sortie des gorges, on les prendra comme des lapins. Y'a rien en vue? Pas encore. Je me demande ce qui les a retardés. On pourrait changer de place pour un moment. Tu resteras là où je peux te surveiller et tout ira bien comme ça. Qu'est-ce qu'il y a, Kobe? Tu n'as pas confiance? Bien sûr que j'ai confiance. J'ai tellement confiance que je ne te donnerai ton arme que quand le tir aura commencé. J'ai des amis qui font partie du convoi. Qu'est-ce que tu racontes là? C'est pourquoi je me suis joint à vous, pour les aider à vous échapper. Espèce de sale faucheton! Vas-y et tire, Kobe. Le convoi n'est plus qu'à 500 mètres d'ici. Tire un coup de feu et tous les soldats se dirigeront sur nous. Tu mens! Viens ici, regarde! J'y vais. Lieutenant, que devons-nous faire? C'est probablement une embuscade à Epic, comme je vous l'avais dit. George, prenez quatre hommes avec vous et inspectez les alentours. Battez-vous pour gagner du temps s'il le faut. Oui, mon lieutenant. Vous quatre, venez avec moi. Maintenant que tout le monde me suit au galop. Savoir si t'es vraiment un traître. Et si c'est pour ça que t'es quitté à l'amour. Je vais te dire pourquoi j'ai quitté. J'avais une femme et un fils à Oxbow. Je suis revenu pour m'occuper d'eux. Pour mon malheur, toi et ta bande étiez passés avant moi. Je crois que je m'en souviens, Stroud. Elle avait de beaux cheveux blonds, n'est-ce pas? La même couleur que ceux de son gosse. Dommage qu'elle n'ait pas voulu entendre raison. Yeah.
Il faut les attraper. On les attrapera plus tard. Laissez-les passer. Les Mexicains, mon lieutenant. Ils ont pris la fuite quand on s'est approché. On a pu prendre un de leurs chevaux. Vous êtes sûr que c'était des Mexicains? C'est un uniforme, je ne suis pas prêt d'oublier, mon lieutenant. Les avez-vous vus de très près? Pas de trop près, mais c'était des Mexicains. Si nous regardions ce qui est sur la selle, on peut trouver un indice. Mademoiselle Betty, c'est la veste de Seigneur Stroud. Je ne mens pas. C'est la veste de Seigneur Stroud. Tenez, regardez. Tu es sûr? Je croyais que Stroud était en prison à Franklin. Moi aussi. Stroud aurait rejoint les Mexicains? Ça ne rime à rien. Bien au contraire. Il apparaît comme certain que notre monsieur Stroud est un sale traître. Non, Seigneur, ce n'est pas vrai. Ce ne sont pas des Mexicains, mais ils s'habillent en Mexicains. Tais-toi, Carlos. Eh bien, si c'est Stroud, avec quelle joie je l'abandonnerai dans cette région sans son cheval. Mais vous ne pouvez pas le laisser, je vous en supplie, lieutenant. On va camper ici jusqu'au matin. Postez 5 hommes pour la garde. Oui, mon lieutenant. Lieutenant. Je peux avoir ça? S'il vous plaît. Hé, petit, où est-ce que tu vas? J'ai très soif. Je suis sûre de le retrouver, mademoiselle Betty. C'est impossible, Carlos, voyons. Tu risques de te perdre. C'est un vrai père pour moi. Je dois essayer de le retrouver. Non, tu n'en seras pas capable. Et même si tu le retrouves, ne comprends-tu pas? Ce n'est pas un honnête homme, Carlos. Je dis que c'est un honnête homme. Mais il s'est échappé de prison et a rejoint les Mexicains. Je vous ai déjà dit, mademoiselle Betty, que ce ne sont pas des Mexicains, mais des Américains déguisés en Mexicains. C'est encore pire. Il vaut mieux, mon petit, que tu essaies de l'oublier. Excusez-moi, mademoiselle Betty. Donne-moi ton pied. Merci beaucoup, mademoiselle. Je vous promets de revenir. Et où va-t-il dans cette direction, mademoiselle? Il pense qu'il va retrouver John Stroud. Il croit fermement qu'il est par là. C'est pas un endroit pour un gosse. Viens, Bob, on va le suivre de près. On veillera sur lui, mademoiselle. Seigneur Stroud.
Atos avait raison, mon lieutenant. Voilà Stroud. Je voudrais savoir qui vous a suggéré de quitter ce campement sans ma permission. On en reparlera plus tard. Voyez, mademoiselle Betty, c'est le seigneur Stroud, il faut l'aider. Eh bien, il a choisi le mauvais coin pour du secours. Betty, éloignez-vous. Que voulez-vous que je fasse? Le laisser là et qu'il meure? Pourquoi pas? Ça lui parlera la pendaison. Comment pouvez-vous parler ainsi? Il voulait attaquer un convoi transportant des femmes et des enfants, n'est-ce pas? Que peut-il espérer? Vous n'avez aucune preuve de ce que vous avancez. Alors que faisait-il avec son équipement mexicain? Peu m'importe ce qu'il a fait. C'est un être humain comme vous et j'entends qu'il soit traité comme tel. Que quelqu'un veuille bien m'aider à le monter dans la voiture. Je vais vous aider, mademoiselle. Et moi aussi, avec la permission du lieutenant. Vous allez le laisser faire? Mais il nous tirait dessus il y a à peine quelques minutes. Allez-y. Je vais vous dire une chose. Je crois que vous avez perdu toute autorité sur les hommes qui escortent ce convoi. Oui, Betty. Vous vous y connaissez un peu en médecine, monsieur Gage? Un peu. Si vous me disiez quoi faire... Pourquoi vous occupez de lui et le soigner? Parce qu'il est blessé. Vous êtes le seul qui puissiez lui venir en aide. Mais c'est un renégat et un assassin. Ce n'est pas vrai. On n'a pas besoin de toi, Petit. Mais ce que vous avez dit au sujet de... Je te dis qu'on n'a pas besoin de toi. Tu ferais mieux d'attendre dehors, Carlos. Va. Pouvez-vous faire quelque chose pour lui? Peut-être bien que je le peux, peut-être que non. Je suis sûr que vous le pouvez. Je crois qu'il le mérite, monsieur Gage. Betty, donnez-moi de l'eau chaude. Allez les réveiller. En route! Tout le monde debout, le départ est dans une demi-heure. Tout le monde debout, on prend la route. Debout, mesdames, le départ dans une demi-heure. En route, tout le monde debout, on va dans une demi-heure. Préparez-vous pour le départ. Comment ça va? Oh, je ne sais pas. Vous n'étiez pas bien du tout quand Carlos vous a ramené hier soir. Oui. Non, vous ne devez pas vous fatiguer. Faudra que je me lève un jour, pourquoi pas maintenant? Je vais vous chercher à manger. Restez là, signor. Merci. Pourquoi? Je l'aurais fait pour n'importe qui. Savez-vous que ce que vous faites ne vous attirera pas la sympathie de vos compagnons? Je me moque de ce qu'ils peuvent penser. Mais moi, non. Alors pourquoi ne leur dites-vous pas la vérité? Carlos m'a dit que vous aviez quitté Alamo pour vous occuper de votre famille et des familles de vos amis. Qui le croirait? Je le crois. Vous n'êtes pas un lâche. Alors pourquoi n'essayez-vous pas de le dire au lieutenant Lamar? Savez-vous qu'il a offert de rester au fort Alamo à ma place? Stroud! Vous resterez dans cette voiture. Vous êtes prisonnier. N'allez-vous pas dire quelque chose? N'allez-vous pas essayer de défendre votre cause? C'est avec la bande de Wade que vous étiez. C'est exact. Pourquoi vous êtes rejoint à eux? C'était un moyen comme un autre de sortir de la ville. Stroud, vous avez eu l'intention de participer à l'attaque projetée sur ce convoi? Non, jamais. Vous n'êtes qu'un menteur. Tom, pourquoi ne pas demander à M. Stroud qui a tiré le coup de feu qui nous a prévenu de l'embuscade? Parlez. J'ai tiré le premier coup de feu. N'essayez pas de me prouver que vous avez tiré tout ça. Mais vous avertir qu'il y a un danger. Wade, c'est que vous avez l'argent de la banque de Franklin et il le veut. Et si vous n'êtes pas assez malin, il l'aura sûrement. Pour les femmes et les enfants, j'espère qu'au moins une fois dans votre vie, vous aurez la pudeur de nous dire la vérité. À partir de maintenant, le convoi circulera en terrain découvert. Betty. Et tout le monde prépare ses bagages aussi vite que possible. Le convoi doit se mettre en route. Thank you.
Qu'avez-vous l'intention de faire maintenant? Il ne me laisse pas beaucoup de choix, je suis toujours son prisonnier. Je vous assure que je ne regarderai pas s'il vous arrive de tomber à l'arrière de la voiture accidentellement. Oh, merci beaucoup. Je préfère continuer comme je suis. Ça ne vous laisse aucune chance? Détrompez-vous. Laquelle? Jess Webb. Vous pensez qu'il nous attaquera? Oui, si nous continuons par cette piste. Si je conduisais ce convoi, j'irais vers le sud. Je traverserais la rivière un peu plus bas. Pourquoi vous êtes-vous joint à nous? Webb est l'homme qui a tué ma femme et mon fils. C'est pour cela que vous voulez rester avec nous? Il sera plutôt surpris quand il me rencontrera. Il me croit mort. Pourquoi ne pas dire tout ça au lieutenant Lamar? Vous avez entendu ce que le lieutenant a dit? Je ne suis qu'un vulgaire menteur. Ce n'est pas vrai, Stra. Peut-être bien que si. J'ai quitté Alamo. C'est difficile à justifier, même vis-à-vis de moi. Mais votre famille était en danger. Ainsi que les familles d'une centaine de mes compagnons. Je ne crois pas que la mienne avait plus d'importance que les leurs. Vous vous condamnez vous-même. Je condamnerai quiconque aurait fait la même chose. Il n'y a aucune différence. C'est fait maintenant. Le regretter n'y changera rien. Je sais. J'en suis navré. D'autres hommes ont commis des erreurs. Pas aussi graves. Mais qu'auriez-vous gagné si vous y étiez resté? Qu'ai-je gagné en l'ayant quitté? Je n'ai pu sauver ma famille, je n'ai pu aider personne. Je suis certaine que le lieutenant Lamar vous comprendrait. Il a une famille. Bien sûr, il me comprendrait. Mais si cela lui était arrivé. Mademoiselle Betty, vous ne vous attirerez que de gros ennuis si vous persistez à me défendre. Montez dans une autre voiture. Allez! Pourquoi ne pas aller à leur rencontre? En tirant découvert, tu tiens à te faire descendre. Ce que je veux à tout prix, c'est mettre la main sur cet argent. D'après la direction qu'ils ont prise, ils franchiront sûrement la rivière de Trinidad. Et c'est là qu'on les attendra. Très bien, quand les voitures seront dans la rivière, on pourra les piller tranquillement. Ça me semble facile. Je suis l'homme qui aime les choses faciles. Vous allez suivre le convoi et ne pas le perdre de vue. S'il y avait un changement, on se retrouvera chez moi. Allons-y. Lieutenant Lamar, sergent Macaulay, armée de la République, ordre du général Houston. Qu'est-ce que c'est, chérie? Des ordres. Se rendre à San Jacinto immédiatement. Tout le monde? Non, moi avec mon détachement. Mais qu'est-ce qu'on va devenir? Ce sont les ordres, madame. Le général Houston est prêt pour une attaque d'envergure contre l'armée de Santa Ana, à San Jacinto. Les troupes ne peuvent plus être affectées à la protection d'un convoi civil. Ah, vraiment? Eh bien, repartez et dites à San Houston... À quoi servent les soldats, si ce n'est à protéger leur famille? Je suis soldat, madame, je ne discute pas les ordres. Sergent. Mes premiers ordres étaient de s'assurer que ces voitures traversent la rivière Trinidad sans dommage. C'est ce que je tiens à faire. Si je pouvais changer de cheval, je partirais sur le champ avec les hommes. Les soldats resteront avec moi. Si vous voulez rester, cela relève de votre conscience. Mais je ne crois pas que vous puissiez demander à 20 de vos hommes d'en faire autant. Et pourquoi pas? C'est moi qui commande ici, sergent. Cela s'appellerait de la désertion. Désertion? On vous ordonne de rejoindre San Jacinto sur l'heure. Je n'irai que lorsque ces voitures auront traversé la rivière Trinidad. Bien, lieutenant, je le dirai au général Houston. Sergent, si nous partons maintenant, tous ces gens sont sans défense. Il n'y a aucun homme valide. Seulement des femmes, des vieillards. Je suis toujours là. Dans quelle catégorie me classez-vous? Dans les déserteurs, monsieur Stroud. Ah. J'ai le sentiment que nous serons plutôt nombreux, n'est-ce pas, lieutenant? Ces gens ont besoin de protection. Ma famille avait besoin de protection. Ils risquent d'être assassinés si on les quitte. Ma famille a été assassinée. Je n'essaie pas seulement de protéger ma famille, je cherche à protéger celle des autres. Si vous me l'aviez demandé, vous auriez su que c'est pour cela que j'ai quitté Alamo. Je me trouvais dans le même cas que vous. Stroud, d'après ce que vous me dites, je vois maintenant de quel côté vous êtes. On vous donne un ordre, lieutenant, à votre place, je le suivrai. Va-t'en, chérie, tout ira bien. Que comptez-vous faire? Menez le convoi à destination. Je vais prendre un cheval. À
Allons, messieurs, vérifiez votre équipement. Nous partons pour San Jacinto immédiatement. Monsieur Stroud, bonne chance. Merci, on en a besoin. Voulez-vous me serrer la main? Au revoir, Tom. Veillez bien sur eux, voulez-vous, Fred? Au revoir, chérie. Lieutenant, j'aimerais avoir une dizaine de fusils. Que 10 hommes apportent leurs fusils. Maintenant, monsieur Stroud. Groupez toutes les voitures en 2 files de 4. Si nous avions des ennuis, je ne veux pas qu'on s'éparpille dans la nature. Je crois que ça va être dur maintenant. Il va falloir rouler sans arrêt. Allons-y. Non, quelqu'un a dû flairer qu'on les attendait dans le coin et se dirige maintenant sur Boulder. Ici, c'est une longue étape. On a tout le temps d'y aller pour les accueillir. Les soldats les ont quittés. Que veux-tu dire? Exactement ce que je dis, tout le détachement militaire est parti. Ça ne me surprendrait pas que ce soit une feinte. Non, crois-moi, je les ai surveillés de près, ils n'en reviendront sûrement pas. À cheval. Et sa bande approche, ils sont à environ 3 km. Que les femmes et les enfants s'abritent dans les voitures. En avant! En route.
Empilez ce que vous avez à l'arrière des voitures. Les enfants se mettent à l'abri. Venez, les enfants. Est-ce que les femmes savent manier un fusil? Je leur montrerai. Bon, allons-y. Donne-moi ton fusil. Je voudrais tirer où? Cache-toi. C'est sûrement une attaque réglée. Je savais qu'il nous ferait tomber dans un piège. Tais-toi, aide-nous. Rechargez, ils vont revenir. Kirby, Dawes, Morel et Brown, vous viendrez avec moi. Nous contournerons le lac et les prendrons par l'arrière. Williams, quand tu m'entendras tirer, prends le reste des hommes et attaque-les de front. Hey, Gaze! Allez prendre un cheval et deux ou trois pistolets, suivez-moi. Vous voulez que j'aille avec vous? Vous savez tirer, n'est-ce pas? Monsieur Strong, je suis même très bon tireur. Eh bien, partons, vite! Et surtout, ne tire pas tant que tu n'es pas sûr de faire mouche. Grimpez dans l'arbre! Wade essaiera d'approcher de ce côté-ci du lac à l'arrière du convoi. Allez, sors de là! Est-ce que tout va bien?
Oui, je vous remercie, Monsieur Stroud. Eh bien, il n'y a plus beaucoup de chemin à faire. Carlos, je reviendrai près de toi aussitôt que possible, fiston. Je pars pour San Jacinto. Allez, Monsieur Gage, que le convoi se mette en route. Vous avez entendu ce qu'il a dit? Que le convoi se mette en route. Il reviendra, Mademoiselle Petit. Je l'espère, Carlos. Moi aussi. Pour nous deux. I wanted to shout, but it's too late now, cause I'm drowning. Got two faces like I'm a clown, man. Life is too great, no, it's astounding. I'm in good shape, ma, but you know that I'm drowning. Like a cop in a cage, I can't cope with this hopelessness. Though I try to be open and go with it, but I'm soaking in the pain like a rain never stop flowing in. As I'm floating in a glowing river through a golden gate, trying to motivate. Yeah, I do my fucking best, but there's two voices in my head, I just can't. What you working like this? You be fine, trust me, just in time to get along. No, leave me alone. Why, yes, can you see that you are alone, big? We're now sitting in our own throne, big. We need nobody, can you see it through? But it's not you whom I should be listening to. Guess what, big? Nobody fucking needed you. No, ain't nobody fucking needed me. Yeah, they never needed us. Like when they know Jesus up. There's no fucking heaven that they don't believe in us. But they my friend, I'm the only one that you can trust. Yeah, god damn it, you an idiot. Go online, be a slave for the media. And you forgot what your father said? Are you serious? Look at yourself, big. You fucking hideous. I've been living inside of you. You have to accept it. But I guess this time I set me free.